Hello to you! Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff pour un épisode de Let's Play sur Tiny Toon Adventures, un jeu sorti, donc Let's Discover sur un jeu sorti en 1993, je crois, ou 95, je ne sais plus exactement, il va pouvoir me le lire rapidement. Donc jeu sorti avec les jeux de Tiny Toon, donc Tiny Toon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, c'est les petits enfants des différents personnages de Warner Bros. Donc Bugs, Bunny et autres, hein, Bugs, Bunny, Daffy Duck, etc. etc. Donc le principe, donc nous sommes en train de commencer à jouer. Et donc le principe c'est que nous sommes avec Bubs, enfin nous sommes avec Buster Bunny et Bugs Bunny. Donc deux personnages différents. Et on commence tout de suite par le premier niveau, en espérant que ça vous plaise. Donc on commence, l'option, est-ce qu'il y a quoi comme option en fait? C'est surtout ça que j'aimerais me demander. Il n'y a pas l'air d'avoir de différence. Je vérifie quand même, mais je vérifie quand même par rapport aux options ce qui est donné. Level, on va mettre. Bon, non, level, on va mettre normal. On va... Je vois pas en quoi. Ouais, il n'y a pas vraiment besoin de. D'accord. D'accord, on peut avoir plusieurs domaines. Donc, Children, Challenge et normal. On va mettre ça en normal et on y va tout de suite. Et donc, on va y aller, premier niveau, tout de suite. Alors, on nous dit bonjour à tous, bienvenue dans le monde des Tiny Toons. Et donc, on continue, on parle de Buster et Babs. Donc les deux, je crois que c'est des cousins ou des... Je crois que Buster est le fils. Et Babs est la cousine, c'est-à-dire que normalement, enfin la cousine, le petit cousin à Bugs, si je me trompe pas. Donc là, on commence par le premier niveau qui s'appelle Acme l'Université, donc normalement l'Université d'Acme. Et donc on va regarder ce qui est écrit. Donc là, justement, il va aller en classe, donc il se dépêche. Et il se dit que justement, enfin dans ce monde, parce qu'il y a des personnes qui sont parties. Qui sont parties dans le school building. Donc on continue, on commence tout de suite. Donc il y a plusieurs différents sauts. On a le saut, pour être plus exact, on a aussi le saut dropkick qui permet de tuer les ennemis. Le dash avec qui permet en fait d'accélérer selon un. Comment dire. D'accélérer ou de ralentir sa progression en fait. Ça permet vraiment d'accélérer. En fait, il est vraiment en train de se dépêcher. Et donc le principe, c'est de tuer tous les ennemis. Les ennemis sortent des sortes d'étoiles. Alors je sais pas vraiment à quoi ça sert. Si quelqu'un pourrait me dire, je ne sais pas. Et donc justement, ce jeu est quand même un des jeux. Enfin, je veux dire que les Tiny Toons, c'est quand même un truc qui nous a fait quand même fait plaisir. Que ce soit dans les trucs de Bugs Bunny qui existaient à l'époque sur France 3 avec les Minicam, ou encore sa cartoon qui était quand même l'émission spéciale WB, hein, spéciale Warner Bros. Où justement il y avait plusieurs types de Warner Bros, c'est-à-dire tu avais les Tiny Toons, tu avais aussi les Animaniacs, et je peux vous dire malheureusement qu'ils y sont pas dans le jeu, parce que franchement les Animaniacs, je peux vous dire, moi ça m'a fait vraiment plaisir de les voir en, au niveau de la télé, et malheureusement bah, apparemment ils n'ont pas fait de jeu, enfin peut-être un je crois, mais je me rappelle plus exactement s'ils en ont fait un ou pas. En tout cas il me semble bien qu'ils en ont fait un, mais alors si quelqu'un pourrait me confirmer ça, je ne sais pas, puisque je ne suis pas trop fan, enfin je ne suis pas trop on va dire un spécialiste W Warner Bros, mais bon je vais essayer de faire le maximum pour justement vous rendre le truc le plus intéressant possible pour la majorité du monde. Donc là on va aller hop. Voilà, on vient de commencer. On continue ce niveau. Donc également, à savoir que vous allez voir que la majorité des boss qui sont en jeu. Je vais pas vous faire le jeu en entier, hein, je vais vous faire qu'une partie du jeu. Et en fait, vous allez voir que la majorité des boss du jeu sont des Tiny Toons. Donc c'est-à-dire Tiny Toons. Alors là, on va se présenter. Voilà. Parfait. J'ai récupéré la clé. Et donc je disais, la majorité des boss sont des Tiny Toons, donc justement, puisqu'en fait, la storyline de la storyline de ce jeu, c'est Buster qui est un peu amoureux de Babs, et donc justement, les Tiny Toons qui le savent font une sorte de blague, ou je ne sais pas comment, en tout cas une sorte d'épreuve auprès de Buster, qui
qui doit récupérer sa dulcinée qui a été on va dire prise en otage par une sorte de grand Manitou. Et donc là justement on va commencer par le premier boss qui s'appelle Daisy qui est en fait le fils de Taz, hein, le Tasmaniac. Là le principe il est dans la cuisine en train de tout détruire et en fait le principe c'est qu'il faut lui faire manger des trucs, vous allez voir. C'est pas très compliqué mais il faut quand même pas se tromper. Alors on commence tout de suite ce petit boss. Alors c'est pour l'entrée. Oh. Ça craint. Voilà, il fait son attaque. Donc faut attendre qu'il revienne. Voilà. Et il va aller me diriger, voilà. Alors, c'est ce qu'on est entré. Pour l'instant, c'est l'air correct. Et donc, le principe, franchement, le jeu est quand même pas mal pour son genre. C'est-à-dire que pour un jeu justement qui a été, on va dire, un peu Tiny Toon-esque, je veux dire que il est quand même assez complet, il a le mérite d'être assez complet. Il est quand même assez justement bien joué en fait. C'est-à-dire que la maniabilité est pas si mauvaise que cela pour un jeu de l'époque, hein, parce que c'est vrai qu'à l'époque les jeux étaient, on va dire, avaient deux soucis. C'est des soucis de maniabilité et des soucis de graphisme. Et franchement, je peux vous dire, l'univers est bien respecté, surtout les personnages, on va dire, les personnages sont quand même bien respectés. Ah, attends, là, je me suis fait avoir. Et là, normalement, c'est bon, là, parce que là, il est, normalement, je crois qu'on l'a fini. Je ne confirme pas. Alors. Voilà. Dizzy Fool, Dizzy goes asleep. Et donc, il va s'endormir. Et voilà, on a terminé ce premier boss assez rapidement et assez facilement, il faut le dire, parce que ce niveau quand même est pas si compliqué que ça, il faut juste bien réussir à comprendre comment fonctionne le truc. Il a mangé tout ce qu'il y avait dans la cuisine. Bravo. Et donc, à chaque fois que tu finis un niveau, il y a un mini-jeu qui vous permet de gagner des vies supplémentaires. Et donc on va commencer tout de suite, on va choisir un jeu parmi les 5 jeux qui sont proposés. Donc un pour chaque personnage justement récurrent des Tiny Toons. Donc Bab, Buster, Daffy et Sylvester, enfin le fils de Sylvester, ainsi que d'autres, je sais plus. Voilà, donc là justement c'est... Alors ça s'appelle quand exactement, et qui dit... C'est The Game is Blocky Duck. Go Go Bingo. Vous avez une chance de gagner des vies supplémentaires. Voilà, donc on commence. Et donc le principe de ce mini-jeu, il suffit en fait de cliquer, voilà, il dit nous avons 7 boules à tirer parmi toutes les boules qui sont là. Et enfin, toutes les boules qui sont à droite, à gauche plutôt. Et justement, à chaque fois qu'on a une ligne, on peut avoir une vie supplémentaire. Donc, on peut appuyer sur n'importe quel bouton. On va appuyer sur le bouton Y, on va voir ce qui va se passer. Donc nous avons quelle boule. Ah, pas mal. Pas mal pour commencer. Donc on continue. On appuie sur un autre touche. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire. Il va nous dire... Oh, attention. Oh, pas mal. Pas mal. Attention. Encore une boule. Ah, c'est mauvais. On recommence, continue. Donc, encore une boule. Et vraiment, j'adore le regard qu'il a quand justement il montre la boule. Tu vois, il fait. On croyait que c'est quoi. J'adore. c'est le genre de mini-jeux qui sont vraiment bien faits en fait. Ils sont vraiment assez drôles en tout cas. Ah merde, ça commence à être craint parce que il faudrait quand même que je trouve en fait. Il faudrait que j'aie une boule en particulier là. Alors, ça pourrait être bien. Celle-là entre autres, mais c'est pas celle que j'avais prévue. Donc j'ai un bingo. Deux bingos. J'ai deux bingos, deux vies en plus. C'est super, n'est-ce pas. Donc deux bingos et donc on continue. Donc deuxième niveau. Deuxième niveau qui joue Acme, hein, toujours avec Acme, la fameuse. La
Academy, je sais plus comment ça s'appelle. Si quelqu'un sait ce que ça veut dire Acme, ça serait bien de me le dire. Donc voilà, on continue justement, on continue à voir. Là, pour l'instant, il nous dit que justement, on peut faire des trucs avec la Dash, en fait, avec le dojo de Dash. Ce qu'on a vu un peu près, ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des sauts, etc. Donc là, c'est exactement le même principe. Et donc, on va parler encore d'autres choses, etc. Également, là, on va voir un deuxième niveau qui est, bah, vous allez voir, va être par un autre Tiny Toons, hein, qui est vraiment un autre Tiny Toons qui va être le chef de ce niveau. Vous allez voir tout de suite qui c'est. Et donc le voici, il s'agit de Montana Max, donc un autre personnage assez connu des Tiny Toons, et donc justement le principe, c'est le principe qu'il est le meilleur acteur, tout ça, nanana. Et donc on doit le battre puisque on est dans un monde de western, vous allez voir c'est assez différent. Encore une fois, vous allez voir, c'est assez marrant. Et donc, deuxième niveau. Le western. Alors, on essaie de se concentrer. Ah, merde, j'ai perdu un... Et donc là, mini-jeu encore, un petit mini-jeu dans le jeu. En fait, il suffit de sauter 10 fois la corde. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parfait. Donc là, on va se diriger vers le saloon. Le saloon où justement nous avons plusieurs monstres, hein, plusieurs types de monstres qui sont retouchés. Donc nous avons des sortes de cils, des... je sais pas comment on s'appelle ça, je sais plus quel chien c'est. C'est le chien, vous savez, dans Sylvestre et Titi, je sais pas si vous en rappelez un petit peu le chien, je sais plus comment il s'appelle exactement, je ne sais absolument plus comment il s'appelle. Je crois que c'est... je sais plus, mais je sais que c'est un nom particulier. Et donc nous avons aussi des coyotes, hein, des coyotes qui nous lancent des bananes, enfin des sortes de tomates. Et donc là on vient, là où vous voyez Montana Max qui est un petit peu plus haut, et là ils disent c'est trop tard, moi Montana Max j'ai eu tous les trucs à gagner. Au revoir Buster Bunny. Et donc deuxième partie du niveau, un niveau de train, un niveau scrolling. Niveau scrolling, je sais très bien ce que vous allez dire, le niveau scrolling c'est pas trop mon truc, hein. Enfin, je déteste ce niveau à scrolling parce que c'est justement très chiant. Et là, surtout que là, justement, il y a des possibilités de se faire tuer par les filets. Donc, il faut essayer d'éviter les filets. Et voilà, je m'en doutais. Le filet qui est là, voilà, justement, ce filet, il fallait l'éviter. Enfin, fallait essayer de l'éviter, en fait. Donc, comme d'habitude, je me fous. Donc, peut-être que je vais tout perdre mes vies comme ça, hein, un peu à la barbare, en tout cas. C'est pas voulu, hein, si tu perds les vies, c'est parce que justement j'aime pas ce niveau là. Justement parce que justement le saut, enfin le filet arrive très rapidement. Donc vous allez voir. Voilà. Deuxième. Et voilà, putain. Là j'ai perdu toutes mes vies comme ça, tu vois. Toutes mes vies à cause de ces putains de trucs qui vont remonter à chaque fois. Et j'ai détesté ça d'ailleurs parce que c'est vraiment, vraiment très chiant en tout cas. Entrer, là il y a le filet. Ouais, bien. Ah putain, mes vieux, mes vieux. Continue. Continue donc. Concentrer. Alors, encore ces fucking filets qu'il faut éviter. Voilà, mais à chaque fois je me fais avoir par ce filet là. Mais c'est pas possible. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh là là. Encore une vie, et si je meurs, bah tant pis, hein. Ce sera la fin de l'épisode, hein, comme vous avez vu. Et donc, franchement, ce jeu, même s'il est assez oldies, et quand même, la manité est assez correcte, hein, même si là, je suis pas content à cause de cette. Filet qui me prennent, voilà, qui me prennent dans le truc, et voilà, je suis mort là.
Donc je disais, un jeu quand même à essayer, même si on n'a pas l'habitude, même si on a vraiment l'habitude de jouer à un jeu pareil, franchement je vous le conseille parce que c'est un jeu assez vieux, mais qui a le mérite d'être assez bon pour un jeu de Super NES. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc c'était le lead cover de Tiny Toons Adventure Bubbly Bloodstones, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc on se retrouve dans quelques jours, même dans un jour, pour la présentation du prochain let's play, ainsi que dans quelques jours pour le dernier épisode, enfin pour l'avant-dernier épisode du let's play de Wildland. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre mes activités sur le Twitter et sur ma chaîne, ainsi que sur mon blog onlinecheck.com. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et donc, on se retrouve dans quelques jours, et j'espère que ça vous a plu. C'était TGF, stay tuned!